Genève, bien loin du pays d'Immaculée Biraheka, défenseuse de droits de l'homme, en RDC, République démocratique du Congo, où elle subissait constamment des harcèlements. Et vous, et toi, et si c'est vous partirez d'où? De la Kinshasa, Goma ou bien quoi? De Kinshasa? Ok. Alors, il faut se convenir sur où est-ce qu'il faut se rencontrer. Normalement, je dois passer par l'Ouganda à travers l'avion de British Airways. Ici, en Suisse, elle est venue recevoir le prix Martin Ehlers des défenseurs des droits de l'homme en avril 2000. Immaculée est directrice d'une ONG Promotion et Appui aux Initiatives Féminines, basée à Goma, à l'est du RDC. Au quotidien, elle aide à réaliser le rêve des femmes, à prendre leurs propres droits en main. Mais Immaculée dénonce les violations des droits de l'homme commis par tous les partis du conflit en RDC contre tout individu. Et c'est pour cela qu'elle court des risques, qu'elle dit nécessaires si on veut faire avancer les choses. Sont-elles en plus qui traversent 10 ans de conflits de tout genre et les guerres à répétition, avec une vulnérabilité particulière telle que les viols, les déplacements forcés et sans destination, les massacres en raison de leur appartenance ethnique ou encore en raison de leurs activités de chaque jour. Les défenseurs des droits de l'homme en RDC continueront la lutte sur le terrain. Ici, ils sont venus à la Commission des droits de l'homme à l'ONU, qui a lieu parallèle à la cérémonie du prix. À ce moment-là, il y a grand espoir que les États acceptent un nouveau mécanisme de protection pour les défenseurs. Un rapporteur pour les défenseurs des droits de l'homme. Des femmes reliquaires, et je pense qu'il faut leur parler aussi pour les encourager avec les hommes. Je te passe Immaculée. Je te passe. La grande question ici pour Immaculée, est-ce qu'elle s'inquiète pour son retour dans son pays? Continuons sans relâche jusqu'à la dernière goutte de notre sang.